إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل جلاله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ف On va essayer, Ibnillah Azzawajal, dans quelques minutes, on va essayer de donner un petit exemple sur la valeur de la science, plus exactement sur la grandeur de la science. Pourquoi cela ? Ça nous servira, Inch'Allah, comme un exemple d'essayer d'imaginer l'ampleur de la science, combien la science elle est grande. C'est très important pour Talib Ilm, ou bien pour n'importe quel musulman, de connaître la grandeur de la chose pour s'imaginer dans quel terrain il va rentrer, dans quel cours il va rentrer. Pourquoi cela ? Parce que si on s'imagine pas la chose, on pourra la banaliser, on pourra la minimiser, on pourra la fragiliser. On ne lui donnera pas sa propre valeur. C'est pour cela, si on ne donne pas à la chose sa propre valeur, on pourra se considérer, une personne qui peut apporter quelque chose à cette science-là, ou bien qui peut parler dans ce domaine-là. Et ceci enlèvera les barrières qu'il y a entre les ignorants et les gens de science. Les ignorants et les gens de science, ou bien entre les gens dotés de savoir et les gens qui n'ont pas cette capacité-là et qui ne se sont pas donné cette peine. Alors, si on imagine mal la valeur de la science et la grandeur de la science, à ce moment-là, n'importe qui dira n'importe quoi et ça fragilisera la religion, l'islam, ça fragilisera aussi les sources de la parole divine et ainsi n'importe qui dira n'importe quoi comme ceci s'est passé pour chez les chrétiens et chez les juifs avant. Alors n'importe qui disait n'importe quoi jusqu'à ce que Allah Azza wa Jalla les a maudits. Alors pour éviter cela, on va essayer de donner un petit exemple et tout sur la science et sa valeur, sur le fatwa. Sur le fatwa, comment se fait chez les savants. On va essayer d'être bref. Pourquoi ? Parce qu'un tel sujet nécessite des cours et les savants ils ont écrit des livres dans cela tels que le livre I'lam al-Muwaqqi'in I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin de Ibn Qayyim al-Jawziya rahimahullah ta'ala. Ce livre là explique la valeur de la fatwa et c'est qui peut faire la fatwa et l'histoire de la fatwa depuis un Nabi sallallahu alayhi wa sallam sahaba tabi'in atba' tabi'in jusqu'à l'époque de l'imam Ibn Qayyim rahimahullah. Ce livre-là regroupe bien sûr toutes les règles, la majorité des règles plus exactement, la majorité des règles de la jurisprudence islamique. J'ai vu un passage d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans Bada'i' al-Fawa'id, où il détaille un sujet qui est trop tenu par n'importe qui, par nous-mêmes des fois, on se voit en train de parler dans de tels sujets-là. Des fois, il y a des sujets qui ont été éclaircis par nos imams contemporains, tels que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, ou bien Cheikh Al-Uthaymin, ou bien d'autres savants, rahimahullah, les contemporains.
Des sujets sont clairs, rapportés dans des fatwas clairs, avec leurs preuves, des versets ou bien des hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des sujets comme ça, mais ce n'est pas toute la science qui est comme ça. Il y a des sujets complexes, il y a des sujets où il y a divergence entre savants, une divergence. C'est pour cela il est bien de connaître la valeur, comme j'ai dit, la valeur de la chose et la grandeur de la chose. À vous d'imaginer seulement que l'imam Ibn Abi Hatim, rahimahullah, il a rapporté cela à Abu Zur'a al-Razi, l'imam, imam al-Zurh al-Ta'dil, il a dit « Ajibtu li rajulin, ajibtu mimman yufti fi masaili al-talaq, mimman yufti fi masaili al-talaq, wa lamma yahfad, au yahfadu aqalla min mi'ati alfi hadith. » Ça m'a étonné de voir des personnes qui se donne le droit de juger dans les sujets des divorces, sans qu'il ait appris, sans que cette personne-là n'a acquis la science ou bien elle a appris, sans qu'elle n'a appris 100 000 textes rapportés par leur chaîne de transmission. Et cet imam-là, bien sûr, ne valorise pas seulement les chaînes de transmission comme ça, mais la personne, elle doit être en connaissance des chaînes de transmission, c'est-à-dire qu'il doit être un muhaddith qui sait distinguer l'authentique de ce qui n'est pas authentique, ce qui est hasan, ce qui est sahih, ce qui est daif, ce qui est mawdou', ce qui est marfou' ila nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est maqtou' ila tabi'i, ce qui est mawquf ala sahabi, et ainsi de suite. Alors cet imam-là, il nous résume comme quoi le divorce seulement, on a besoin d'apprendre 100 000 hadiths. À nous d'évaluer à peu près la valeur d'un vrai savant. C'est que pour l'imam Abu Zur'a, min a'immat al-salaf, rahimahum Allah ta'ala, il a dit comme quoi, pour entamer, pour comprendre, assimiler bien le sujet des divorces, on a besoin de 100 000 hadiths, 100 000 textes. Hadith Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hadith sahaba, tabi'in, leur fatawa, et après on arrivera à filtrer et à sortir l'extrait, la science, c'est quoi chaque réponse pour chaque question. C'est qui détient les 100 000 hadiths? De nos jours, on ne peut pas assembler déjà 100 000 hadiths, de nos jours seulement. Dans tout ce qu'il y a comme livre et tout, on n'arrivera jamais à ramasser les 100 000 hadiths. À nous de voir les sources de science chez les salafs ne sont plus les mêmes de nos jours. Nous, on se contente de Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, Dawawin al-Islam. Ça, c'est les œuvres de l'islam, les livres de l'islam. Ces livres-là contiennent la source de la science. Et après eux, ils ont d'autres sources, les A'immat salaf. C'est pour ça qu'on dit toujours, il faut revenir à A'immat al-Salaf. C'est eux qui connaissent les choses, qui connaissent les sources. Ce qui n'est pas le cas pour n'importe quel savant contemporain. Il n'arrivera jamais à atteindre le niveau de A'immat al-Salaf, rahimahumullahu ta'ala. Alors j'ai dit comme quoi, dans un livre, j'ai vu que Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, dans son livre Bada'ir al-Fawa'id, il a assemblé la séparation qui peut se dérouler dans un couple. Quelle sorte de séparation? Combien il y a de séparation dans un couple lors d'un divorce? Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, il a assemblé les séparations en 20 séparations. Nous, on connaît le divorce. Le divorce, et c'est bon, et c'est fini. Peut-être ceux qui sont plus implantés dans le dîn et tout, ils connaissent aussi Al-Khula. On y viendra, inshallah ta'ala, brièvement. Comme on a dit, chaque sorte de séparation, elle a son fiqh. Et nous, ce qui nous appartient dans ces quelques minutes seulement, c'est de les citer, simplement les citer, et essayer de donner un petit dalil de chaque sorte de séparation. Ça nous apprendra à nous retenir lorsqu'on entend les sujets de divorce, à ne pas se lancer, à dire « Ah non, mon frère, selon ce que tu me racontes et tout, tu es divorcé maintenant. » Ou bien « Non, tu peux récupérer ton épouse et tout, comme on entend à droite et à gauche. » Ça, c'est des sujets.
à nous de voir seulement lorsqu'on écoute les shuyukh tels que Cheikh Abdelaziz al-Cheikh, Hafidahullah ta'ala, Mufti, lorsque des fois on lui pose des questions en direct à la télé et tout, il lui pose des questions sur les divorces et tout, on trouve comme quoi il les remet à un tribunal. Et ça, c'est très fondamental. C'est très fondamental parce que al-fatwa, ce n'est pas tel que al-qada. Nous, on ne connaît pas la différence entre les deux. Mais les ulama, dans leurs ouvrages, comme il a fait l'imam al-Qarafi, rahimahullah, il a fait tout un livre, la différence entre al-fatwa et al-qada. La différence entre al-qadi et al-mufti. Ils n'ont pas les mêmes fonctions. Ils n'ont pas les mêmes fonctions. Et ça, c'est pour faire un livre déjà dedans. Ça veut dire comme quoi on est bien loin sur le sujet de l'assimilation du fiqh. Qu'est-ce que veut dire al-fiqh? Non. Tel qu'un homme et tout, il est venu voir al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il lui a dit, ya imam. Ou il lui a dit, ya faqih. Al-Hassan al-Basri, il s'est tourné vers cette personne-là, il lui a dit, wayhak, gare à toi, est-ce que tu as déjà vu un faqih dans ta vie? Il voulait dire, Hassan al-Basri, rahimahullah, il veut dire comme quoi al-faqih, c'est celui qui a compris ce que Allah il veut de lui. C'est celui-là, un vrai faqih, non pas celui qui a appris les lettres en abandonnant, bien sûr, le contenu des lettres. Alors, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a assemblé les 20 sortes de séparations qu'il y a dans le couple. Il a dit comme quoi, la première séparation, c'est le divorce. La deuxième séparation, il a dit al-fasqu lil-usrati bil-mahr. Al-fasqu bil-usrati ou lil-usrati bil-mahri. Ça, c'est la séparation du fait que le mari n'a pas assez pour payer la dot qu'il avait promis. Alors, à ce moment-là, son épouse pourra se retirer ou bien demandera que le juge la retire et tout. C'est tout à fait son droit. On ne va pas dire « Aoudou billah, elle a demandé le divorce, comment ça se fait? Ça ne se fait pas chez nous et tout. » Non, chez vous, ça ne se fait pas. Mais dans l'islam, ça se fait. Alors les gens, ils commencent à faire comme quoi les coutumes, c'est ça la religion. Alors que non, c'est différent. Surtout que nos coutumes à nous, chaque pays, nos coutumes ne sont pas obligatoirement l'islam. Surtout dans les pays qui ont été colonialisés et tout, leurs coutumes ne sont pas trop différentes des coutumes des koufars et tout. Pourquoi? Parce que la convivialité de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs grands-parents, de leurs ancêtres et tout, ils ont vécu ensemble avec les koufars et tout, et généralement ils avaient la législation et tout, des koufars et tout, des koufars qui les ont colonialisés et tout, ça a imprégné sur eux des coutumes qui sont bien loin de l'islam. Non. Al-fasqu lil-usrati bil-mahri. Alors on a dit celui qui n'a pas assez pour payer la dot qu'il avait promis ou qu'il avait cité lors de l'acte du mariage. La troisième séparation, al-fasqu lil-usrati an-nafaqa, pour celui qui n'a pas assez pour faire nourrir son épouse ou bien pour faire nourrir son foyer, celui-là aussi, c'est un chapitre dans le fiqh aussi. Ça aussi, l'épouse, elle peut, ou bien le juge peut citer la séparation dans le couple et il les sépare. Certains savants et tout, ils disent, ils conditionnent et tout, comme quoi ils lui laissent un laps de temps. Certains, ils sont partis à une année. Avoir assez de moyens pour pour subvenir aux besoins de cette famille-là ou de cette épouse. Ça, c'est la troisième séparation. La quatrième, il a, قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. Dans le sourate Al-Baqara 226-227. Vous pouvez revenir à ce verset-là en citant les références. Le Baqara 226-227, ça c'est pour des époux. Il y a des époux, al-Jahiliya, ça se passait, et après en islam et tout, c'est resté comme chose et tout. Le mari des fois, il se met en colère de son épouse, alors il dira comme quoi, ni je t'approcherai, ni il s'approchera de son épouse, c'est-à-dire là, convivialité, l'intimité, les rapports et tout.
et ni il la divorcera, ni elle, c'est une femme divorcée, elle ira voir ailleurs pour se marier, ni il consommera avec elle, et ce sera son épouse, et pourront revivre une tranquillité, une paisibilité. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait, ce mari-là, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en colère de son épouse, alors il va la punir. Il va la punir comment? En s'éloignant d'elle dans les rapports intimes. Alors ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a limité ça. Il a limité à 4 mois. 4 mois. Si la personne, après 4 mois, dépassé d'un jour, si la personne, elle, ne revient pas sur ça, ne revient pas à son épouse, hein, avec tranquillité, et il revient à la paisibilité, il ramène la sérénité dans le couple, s'il ne revient pas, celui-là, soit il sera divorcé par le juge. La femme, elle soulève son affaire au tribunal et tout, et elle demandera que le juge prononcera pour elle le divorce, car elle n'arrivera pas à vivre une tranquillité avec son époux, parce que il lui enlève son droit, il lui enlève et lui retire son droit. Soit ce mari-là, il reviendra avant les 4 mois, il annulera ce qu'il a fait comme punition ou bien comme sévérité. Alors, هذا هو فرقت الإيلاء. Ça s'appelle الإيلاء. الذين يؤلون من نسائهم. Ça c'est la quatrième catégorie. La cinquième catégorie, al-khula. La cinquième sorte de séparation, al-khula. Al-khula at-talaq marratan fa imsakun bima'ruf aw tasrih bi-ihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa an la yuqima hudud Allah illa an yakhafa an la yuqima hudud Allah. Sauf s'ils ont peur de ne pas accomplir les devoirs qu'Allah Azza wa Jalla leur a imposés, qui est la convivialité, la tranquillité, la paisibilité. C'est pour cela que le mariage il est fondé sur ça. S'il n'y a pas de paisibilité, le mariage n'a plus de morale. Il n'y a plus de morale. Alors, illa yakhafa alla yuqima hudud Allah. À ce moment-là, il a yakhafa alla yuqima hudud Allah. Fa in khiftum alla yuqima hudud Allah, fala junaha alayhima fi maftadat bih. Alors à ce moment-là, si l'épouse par exemple, elle sait qu'elle n'arrivera pas à se montrer correcte vis-à-vis de son mari pour x ou y raison, des raisons qui sont bien sûr citées dans connues, qui telles que la femme, elle n'aime plus son époux, elle ne l'aime plus. Pourquoi? Parce qu'il ne l'attire plus. C'est quelqu'un, par exemple, qui ne s'entretient pas. Qui ne s'entretient pas. Par rapport à ses amis, par rapport à ses amis à lui, il ne s'entretient pas. C'est quelqu'un qui se laisse aller. Qui se laisse aller, ou bien qui n'est pas attirant pour son épouse. Il n'est plus attirant. Il n'est plus attirant. À ce moment-là, cette épouse-là, elle a peur. Elle a peur qu'elle ne donnera plus le droit à son mari, le droit qui est sur lequel est fondé le mariage, parmi les droits, sur lequel, parmi les fondements du mariage et tout, c'est la vie, la tranquillité, la vie paisible, l'intimité et tout. Alors si l'épouse, elle a peur d'arriver à ce qu'elle transgresse, à ce qu'elle soit pas correcte vis-à-vis de son mari, elle sait très bien en tant que musulmane que ceci est un péché, mais il y a une contradiction entre le péché et me forcer à montrer comme quoi j'aime ce mari-là et l'islam. Il faut qu'on sache que l'islam ne nous impose pas une chose qui est contre nature. L'islam n'impose pas une chose qui est contre nature. Et en comprenant ces sortes de séparations, on apprend la grandeur de l'islam, non pas comme c'est dans le christianisme ou bien dans le judaïsme. Le christianisme, chez les chrétiens par exemple, cela fait quelques années seulement qu'ils se permettent le divorce. Sinon, c'est pénible. D'où ils ont opté pour autre que l'église
lorsqu'il y a eu la rébellion sur l'Église. Pourquoi cela? Parce que, tout simplement parce que le christianisme n'est pas fondé simplement sur la parole, divine. Les falsifications ont touché, tous les plans, et parmi les plans là, le droit de la femme. Le droit de la femme dans l'islam, il a été préservé, à nous de voir seulement ces détails-là. Dans le sujet de l'Khula, bien sûr, il revient le hadith de Bukhari, rahimahullahu ta'ala, qui est un des fondements dans ce chapitre-là, où Imra'atu Thabit ibn Qais. Thabit ibn Qais, un sahabi, son épouse, elle est arrivée à ce stade-là. Son épouse, elle est arrivée à ce niveau-là. Elle n'arrivait plus à aimer son mari. Tout en étant juste, car dans le hadith où Anamra'ata Thabit ibn Qais atat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam faqalat ya Rasulallah Thabit ibn Qais ma a'tibu alayhi min khuluqin wala din. Je lui reproche ni son comportement ni son din. Walakinni akrahu al-kufr. Elle lui a dit, walakinni akrahu al-kufra fil islam. Certains, ils ont oublié ce détail-là, cette dernière parole-là. Akrahu al-kufra, dans des versions, et dans cette version-là, dans le Bukhari, akrahu al-kufra fil islam, d'où l'explication des savants. Al-kufr qui est cité là, c'est le fait de ne pas reconnaître le bien de son mari. Elle a peur d'arriver à un point où elle ne reconnaîtra pas le bien de son mari. C'est ça, le kufr. Dans ce passage-là, comme ils ont expliqué les savants, que le kufr dans ce passage-là, c'est kufranu al-ashir. Kufranu al-ashir. Et non pas al-kufru billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli. Walakinni akrahu al-kufra fil islam. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit alors, ataruddina alayhi hadiqatahu. Est-ce que tu vas lui redonner ce qu'il t'a donné comme dot? Il y a un jardin et tout. Ataruddin alayhi hadiqatahu. Qalat na'am. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li Thabit ibn Qais. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit alors à Thabit ibn Qais, iqbal al hadiqa wa talliqha tatliqa. Iqbal al hadiqa wa talliqha tatliqa. Prononce-lui un divorce. Il s'est contenté d'un seul divorce et non pas des trois divorces, car c'est un khula, et de là vient là l'explication et les détails des fuqaha et des jurisconsultes où ils développent bien ce détail-là. La différence entre le khula et le divorce, c'est que le khula, on se contente d'un seul divorce, contrairement d'une seule prononciation de divorce, de séparation, non pas comme dans le divorce qui est cité au premier. Première sorte de séparation, ou le divorce, bien sûr, son détail, il est comme quoi on cite trois divorces, deux premiers divorces qui sont des divorces mineurs, où le mari détient toujours son épouse, où il peut récupérer toujours son épouse, et à la troisième prononciation, après la troisième période de règles et tout, s'il lui prononce après les troisièmes règles, il lui prononce le troisième divorce, à ce moment-là, son épouse, elle lui sera interdite jusqu'à ce que, si jamais il voudra la récupérer après la troisième prononciation de divorce, il faudra qu'il attende que son épouse se marie d'un autre homme, et qu'elle consomme, et non pas qu'il lui sera consommé que pour la libérer à son premier époux, ce qu'on appelle un nikahu al-tahlil al-muhallil. C'est interdit. Alors certains, ils vont faire la ruse d'aller marchander avec quelqu'un. Tu te maries avec mon ex-épouse et tout, histoire de te marier avec elle, après tu la divorces, comme ça je la récupérerai. Non, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit hatta taduqa asilatahu wa yaduqa asilatahu, jusqu'à ce qu'il consommera de son plein gré en tant qu'épouse, non pas il consommera pour la libérer. Non, ce n'est pas permis. Alors, le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné, il a demandé à
il a demandé à Thabit ibn Qays de prononcer un divorce à son épouse et elle ne sera plus la sienne. Elle ne sera plus son épouse. Ça, c'est Al-Khula. Et bien sûr, certaines personnes ne connaissent pas le hadith Al-Mukhtali'atu Hunna Al-Munafiqat. Al-Mukhtali'at Hunna Al-Munafiqat. Celles qui font le Khula, c'est elles les Munafiqat. Ce hadith-là, c'est un hadith authentique et tout. Je l'ai cité pourquoi ? Pour démontrer aussi que ce n'est pas par banalité que la personne, elle va, elle connaît ce droit-là, khalas, à tout bout de chemin, et elle va et elle demande le khala. Aujourd'hui, j'ai consommé avec celui-là. Il ne me plaît pas. Pourquoi ? Je ne sais pas, comme ça, c'est quelque chose. J'ai demandé le khala. Non, ce n'est pas un échappatoire pour que la personne, elle devienne, je ne sais pas, connue comme quoi elle est à son 27e, à son 36e mariage et tout. Ce n'est pas une bonne réputation pour une femme. Surtout pour une femme musulmane. Surtout pour une femme musulmane. On en a déjà assez comme exemple pour celles qui font les appels, on dirait les appels d'offres, appels au mariage. Ça y est, j'ai lancé le marché. Allez, celui qui veut venir pour une muqabala. Après, elle enchaîne le premier, le deuxième, le troisième, le vingtième, le vingt-sixième, le trente-sixième, le quarantième. Toi, tu as combien de muqabala? Moi, j'ai 60. Et toi, 65. Oh, il faut que j'arrive à ton niveau. Bon, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Une muslima, elle est préservée. Une muslima, elle est propre. Une muslima, elle est propre. Elle ne doit pas s'aventurer comme ça. C'est le hit parade des muqabalat. Allahu musta'an. Ce n'est pas comme ça que le muslima devra se comporter. Thabit ibn Qays, il a divorcé son épouse par demande de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car c'était la seule solution pour échapper à une vie qui, en vérité, ce n'est plus une vie. Ce n'est plus une vie. Certains ils vont dire, non mais je ne vais pas la divorcer, j'accepterai pas et tout, la chouma, la famille et tout, qu'est-ce qu'ils vont dire et tout. Cette personne-là, elle ne réagit pas et elle ne raisonne pas comme l'islam demande. Allah, s'il a légiféré le divorce, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a des situations où il n'y a aucune issue autre que la séparation dans le couple. Alors on a dit Al-Khula, Tafriq al-Hakamayn. Ça, c'est une sixième catégorie. Tafriq al-Hakamayn, c'est lorsqu'il y a un litige dans le couple, où il y a beaucoup de problèmes qui s'accumulent. On rechute souvent à ce moment-là. L'islam nous a appelé à ce que des membres de la famille de l'époux viennent et des membres de la famille de l'épouse viennent et ils négocient à leur place. Ils négocient à leur place. Une sorte de problème, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous voyez. Et des fois, il y a c'est une impasse. Une impasse. Il n'y a pas de solution. S'il n'y a pas de solution à ce moment-là, les représentants du couple, du côté de la femme et du côté de l'homme, leurs représentants, des fois ils arrivent à un point où ils prononcent le divorce à la place de l'époux, à la place de l'époux. Et généralement, il y a des détails, bien sûr, comme on avait dit et tout, comme quoi ils ont une procuration par le juge musulman, le juge islamique qui gère ces affaires-là avec l'islam, avec la législation islamique, qui est la seule législation pour un musulman. Qui est la seule législation pour un musulman. Naam. Al-Dalil qala Allah ta'ala, wa in khiftum shiqaqa baynihima, fab'athu hakaman min ahlihi, wa hakaman min ahliha, wa hakaman min ahliha. In yurida islaha, yuwaffiq Allahu baynahuma, inna Allaha kana aliman khabira. Septième séparation, Al-Innin, ça c'est un cas maladif, bien sûr. Al-Innin, c'est l'homme qui n'arrive pas à consommer avec son épouse, il n'arrive pas à avoir l'envie de son épouse. Et l'envie, bien sûr, on ne va pas dire que oh, vous réfléchissez qu'à ça et tout, la vie ce n'est pas que ça et tout. Ce n'est pas que ça, on est tout à fait d'accord, mais c'est fondamental. Des foyers se sont détruits
pour de tels exemples. Par l'exemple que le mari n'arrive pas à combler son épouse. Et ça, l'innin, c'est quelqu'un qui est malade. C'est une sorte de maladie qui atteint un homme. Peut-être une maladie psychologique, peut-être physiologique. Et peut-être ça nécessite al-ruqya. Peut-être ça nécessite al-ruqya. Al-ruqya shara'iyya, parce que il y a des personnes et tout sont s'élargir sur ça et tout. Il y a des personnes qui sont atteintes d'un sihr et tout et qui les empêchent à ce qu'il aura l'envie de son épouse. Il a constamment l'envie lorsqu'il vient à son épouse et tout. Tout part. Et ça pourra, si la personne n'est pas sage, si l'épouse n'est pas sage, ça pourra partir loin, ça pourra partir très gravement dans un couple. Pourquoi cela? Parce que la sagesse est absente. Et lorsque la sagesse elle est absente, et de tels éléments viennent dans un couple,